Yo tout le monde et bienvenue sur Instant TV pour un nouvel Instant Gaming en ma compagnie sur un jeu que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Je veux bien entendu parler de Jazz Jackrabbit 2. Et oui, vidéo sur ce jeu pour un nouveau let's play parce que je vous l'ai annoncé sur Facebook hier et sur dans les activités de ma chaîne YouTube. Donc voilà, petit let's play sur ce jeu parce que je sais que la vidéo avait eu pas mal de succès, que dans les commentaires on m'avait demandé plus de vidéos comme ça. Et vu que j'avais pas d'idée de jeu, je me suis dit mais pourquoi tu te casses la tête Thomas? T'as un très bon jeu rétro qui plaît à pas mal de monde, donc ne t'embête pas et fais-le, voilà. Donc je le fais, voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc Jesus Space. Allez Space. J'aime bien, il est un peu déjanté, il est un petit peu comme moi. Alors on va mettre intermédiaire parce que facile c'est trop simple, les difficiles, j'ai pas envie de me casser la tête non plus. La musique est un peu forte, je vais régler ça dès que mon effet c'est presque au maximum, ça me défonce les oreilles. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ouais, donc vous avez déjà vu, voilà, vous avez déjà vu les deux premiers niveaux dans une vidéo précédente où je présentais le jeu. Alors vous les reverrez aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bah vous découvrirez les niveaux. Et pour ceux qui l'ont déjà eu, bah vous redécouvrirez. Ça fait pas de mal parce que pour moi, un let's play, on ne peut pas commencer en sautant les deux premiers niveaux. Hein, sinon, c'est pas un let's play. Donc voilà, vous les reverrez. Alors je vais vous représenter un petit peu le jeu quand même, c'est la moindre des choses. Alors c'est un jeu sorti en 1998, un jeu Epic Mega Game je crois, ou Epic Game, à chaque fois je confonds, j'oublie si c'est Game ou Mega Game, enfin, c'est pas important, vous m'aurez compris. Sorti en 1998 et que je trouve vraiment assez joli hein, pour un jeu qui a 15 ans, ouais, il a 15 ans le jeu, ça nous rajeunit pas d'ailleurs. Et voilà quoi, c'est jamais joué de temps en temps, c'est un jeu auquel je jouais énormément durant mon enfance. Ça a beaucoup marqué mon esprit de gamin, ça c'est vrai que je jouais beaucoup avec ma mère notamment à ce jeu et j'en ai de très bons souvenirs et ça me fait super plaisir de vous proposer un petit let's play dessus pour vous faire découvrir et redécouvrir pour certains, parce que c'est toujours bon de retrouver des vieux jeux comme ça. Parce que bon, maintenant c'est clair, on a des jeux en haute définition, super qualité, avec des gameplays de ouf et tout. Mais bon, ça fait du bien de revenir un petit peu, quelques années en arrière. Donc voilà. Donc sinon, à part ça, bah, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Pour ma part, c'était nickel. J'ai fait ça avec un oncle. J'espère que vous avez bien profité de votre famille, que vous avez bien mangé, bon, bu modérément, surtout si vous avez pris la route après. J'espère que vous n'avez pas bu si vous avez pris la route, parce que sinon vous allez vous faire engueuler par ma part. Ça, je vous le dis direct, voilà. Et j'espère que vous avez eu des bons cadeaux aussi, moi pour ma part j'ai été gâté. Si vous êtes curieux, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai eu. Donc j'ai eu Assassin's Creed 4, donc tout ce qui touche l'univers de la piraterie, j'adore ça, donc je suis super content de l'avoir eu. D'ailleurs pour une petite anecdote qui a un petit rapport avec la piraterie, il y a un an j'avais fait une soirée avec des potes et puis bon j'étais un petit peu éméché à cause de la vodka et je me suis pris pour Jack Sparrow, donc ça prouve bien mon amour pour l'univers de la piraterie. Même si bon, j'étais éméché et que je me suis endormi sur la cuvette des chiottes. Enfin bon bref, c'est pas grave. On va pas tarder sur le sujet. Donc j'ai eu Assassin's Creed, j'ai eu une boîte de Ferrero Rocher et ma copine m'a offert 3 albums de Metallica. Donc j'ai eu Kill Them All, leur tout premier album, Master of Puppets et le troisième c'est True The Nether, la bande son du film qui est sorti récemment du film True The Nether, justement du même nom. Il y a une vie là-haut, j'ai oublié de la prendre. Enfin, donc en même temps, je vais vous montrer un petit peu les passages secrets qu'il y a dans le jeu, parce que bon, je le connais à peu près par cœur, j'y ai tellement joué que voilà. Je crois qu'il y a un passage, voilà, il y a un passage ici. Donc si vous saviez pas, voilà, je vous fais découvrir des petits passages secrets, et hop, une vie en plus. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre une vie. Donc voilà, voilà. Donc voilà, un petit peu pour... Aïe. Un petit peu ce que j'ai eu pour les cadeaux, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vous, vos cadeaux, ce que vous avez eu, ou avec qui, si vous avez passé Noël avec votre famille, ou tout seul, comme un gros dépressif. Non, je déconne. C'est pas parce que vous passez Noël tout seul que vous êtes dépressif, hein. C'est votre choix. Hein. Ou alors si vous n'avez pas fêté Noël, parce que certains ne fêtent pas Noël, je pense notamment à ceux qui ont des religions différentes que la religion chrétienne, donc savoir ce que vous avez fait. Le 24 décembre au soir, si ça a été une soirée comme une autre ou pas pour vous. Donc voilà quoi, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez fait en commentaire. Est-ce que vous avez eu pour Noël? Non, pas par là, je voulais pas y aller. Je me laisse y aller s'il te plaît, merci. Donc voilà. Donc sinon pour en revenir un petit peu au jeu, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah c'est simple, déjà je pense que ce qui serait cool c'est que je vous dise à quoi servent les items qu'on ramasse. Donc bon, c'est assez simple.
Les diamants que vous voyez là, les diamants rouges, ça rapporte des points. Je crois que ça rapporte juste des points d'ailleurs, que ça rapporte pas de vie ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment que des points. Vous voyez là, j'ai fini la partie. 66 x 1, c'est un nombre de points cumulés au total. Donc tout ce qui est diamant, ça concerne les points. Alors, putain, mais le son se remonte tout seul, j'ai l'impression. Attendez, je vais juste voir le son. Bah oui, c'est remonté. Ça va pas le faire si ça le fait à chaque fois, ça. Voilà. On est où ? Sale bête. Enfin bon, bref. Ouais, donc au niveau des points, donc les diamants, voilà, c'est... Enfin, au niveau des diamants, c'est tout ce qui est points et tout. Alors, les petits trucs bleus, c'est des munitions, vous voyez. Je sais pas, vous ramassez des munitions. Vous avez des munitions, justement, c'est logique. Je sais pas, on peut pas faire plus simple à expliquer. Alors, tout ce qui est fruits, les espèces de poires ou je sais pas quoi, les trucs chauds que vous voyez, ça rapporte des points et au bout de 100 fruits récoltés, enfin ramassés, vous aurez un bonus énergétique qui vous rendra ainsi pendant une certaine durée, je sais plus si c'est 20 secondes, ou... enfin je sais plus du tout. Alors les pièces, là, qu'on envoie, il existe deux sortes de pièces, les pièces argentées comme ça et les pièces en or. Et les pièces permettent de débloquer des passages secrets avec des bonus comme des munitions, des petits trucs comme ça. Ce qui est toujours bon à prendre, hein, enfin, je pense. Voilà, sinon, bon, vous avez vu qu'il y avait les vies à ramasser aussi. Classique, hein, une vie, il y a un certain nombre de vies. Alors les vies, d'ailleurs, je vais vous expliquer, c'est un petit peu compliqué. Alors les vies, c'est en bas à gauche, il y a 4 vies. Et vous avez le nombre de cœurs en haut à droite, c'est la jauge de vie. Donc, vous n'avez plus de cœur, vous décédez. Vous décédez, c'est normal, hein, c'est comme tout jeu où il y a une barre de vie, hein, voilà. Ça se réinvente pas, ça se réinvente pas, c'est connu, voilà. Voilà, sinon au niveau... qu'est-ce que je pourrais... Qu'est-ce que j'ai oublié comme item? Non, je crois que j'ai rien oublié. Hein. Bon, tuer des monstres, ça rapporte des points aussi, logiquement. C'est toujours mieux de les buter que de les, se laisser courser par des machins comme ça, des chauves-souris, qui sont assez stressantes au niveau de leur cri, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, sinon au niveau des autres items, je pense qu'il n'y a rien d'autre, j'ai fait à peu près le tour. On va décéder. Oh, ok, j'ai pas compris ce qui s'était passé. J'ai appuyé sur la touche du haut, ça a pas voulu viser, ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait le tour à peu près des items. Alors, en ce qui concerne la durée des vidéos, elles dureront entre 10 et 15 minutes. J'aurai deux niveaux par vidéo. Donc, ah tiens, bilan énergétique, c'est ça. Bon, y a pas un monstre. Non, y a pas de monstre. Bon, bah tant pis, je vous montrerai une prochaine fois. En gros, voilà, bilan énergétique, pendant 20 secondes, vous êtes invulnérable, vous pétez tout ce qui bouge. Putain, mais je voulais remonter, je voulais un peu. Ah bon, tant pis. Vous pétez tout ce qui bouge, et puis voilà, quoi. C'est tout ce que vous, ça vous apporte. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, au niveau des durées de vidéo, entre 10 et 15 minutes, j'aurai deux épisodes, deux niveaux par épisode. Donc, deux niveaux, ça correspond à un chapitre, je crois, si je me trompe pas. En gros, bon, je vous explique, je crois que tu fais deux niveaux. Au bout du deux, à la fin du deuxième niveau, t'as un boss normalement, et quand tu bats ce boss, bah t'es dans un nouveau monde. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc vous verrez ça au fur et à mesure du let's play. Donc voilà. Sinon, au niveau fréquence des vidéos, je vous sortirai un épisode par semaine. Donc je vais essayer de faire tous les lundis. Comme ça, les autres jours de la semaine, bah, j'essaie de vous proposer un autre jeu ou une autre vidéo. Enfin, un autre style de vidéo, une émission ou un truc comme ça. Faudrait que je trouve ce que je vais faire, parce que j'ai pas d'idée pour le moment, à part Jazz. Je sais pas, peut-être un jeu. Franchement, j'ai pas d'idée. Donc, si vous avez une idée de jeu, bah dites-le moi. Sinon, je pense que j'en ferai peut-être une série sur Minecraft ou autre. Je verrai. Je verrai ça. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Plus particulièrement sur Facebook. Parce que Twitter, j'utilise pas trop. Je sais pas, c'est pas que j'aime pas, mais je sais pas, j'ai un petit peu du mal à m'en servir. J'aime. Voilà. C'est pas un coup de cœur, on va dire. Donc, je vous tiendrai beaucoup informé sur Facebook. Et sur les activités YouTube. Donc voilà, alors là vous voyez, il y a un boss. Il va falloir le battre. C'est une espèce de grosse lapine. Assez obèse, il faut le dire. Qui, quand écrit, te pousse, fait du vent. Voilà. Bon, pas très dur à battre. Hein, c'est le premier boss. C'est le premier boss. Assez sympa à battre. Hein. On tire dessus. Puis voilà. On évite les briques de préférence. Quand t'as fait ça, voilà. Enfin, bon. Chose que je n'ai pas fait. Et voilà, quoi, on va la tuer tranquillement. Et puis je pense qu'on va se laisser là. De toute façon, ce sera la fin du niveau. On se regardera. Et voilà. Tu vas tomber, s'il te plaît. Tu arrêtes de me jeter des briefs. On est où? Couché. Allez, tombe. Mais arrête de gueuler. On a l'impression qu'il a fait du métal, là. Oui, j'aime bien le métal. Je vous rassure, hein. Si je dis ça, c'est vraiment...
Enfin, s'en fout. Voilà. Normalement, c'est la fin du niveau. Voilà, on a fini. Bon, c'était une vidéo assez courte, hein, vous l'aurez vu, mais c'est toujours sympa de se refaire un petit peu de jeu avec. Putain, le son qui se remonte à chaque fois. Attendez, je laisse le son et je vous dis au revoir. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Je sais pas pourquoi ça se remonte tout seul, faut que je règle ça, parce que c'est un peu chiant. Voilà, donc on fera le prochain niveau lundi prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Non, je vais mettre instant T plutôt, comme j'ai l'habitude de mettre instant T. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour le second épisode de Jazz Jackrabbit 2 de ce Let's Play fort sympathique, je l'espère, pour vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un pouce bleu. Je crois qu'ils sont bleus, plus verts. Un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce rouge. Mais dites-moi en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé. Comme ça me permet de m'améliorer. N'hésitez pas non plus à partager ma vidéo et ma chaîne, ça me rendrait un fier service. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et passez un bon réveillon du 31 et bonne année à l'avance, bonne santé et éclatez-vous bien. Allez, tchuss!